Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Inspiration Guerre et Soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un porte-clés, pardon, très simple à faire. C'est en gros un porte-clés pour y mettre vos mouchoirs à l'intérieur. Voilà, donc c'est. Vous pouvez aussi acheter chez ça avec un cadenas. Votre sac à dos ou autre, ou votre sac à main. Donc pour réaliser ça, vous allez avoir besoin d'une doublure et le tissu que vous aurez à l'extérieur. Donc tissu ici extérieur. Donc 15 par 17 cm. Ici, pour intérieur. Donc on a 15 par 21 cm. Et ça c'est pour l'ouverture. Donc c'est 12 x 4, donc ça c'est pour la partie qui va être suspendue, la petite attache. Alors maintenant, on met nos pièces l'une sur l'autre, et celle-ci on va vraiment la poser sur le côté gauche, et on met endroit sur endroit. Ok, on a cousu un côté et maintenant on va prendre l'autre côté et on va coudre sur l'autre côté, le côté opposé. Et ici on va coudre tout simplement tout droit. Voilà, faites attention qu'il n'y ait pas de plis. Une fois que les deux côtés sont cousus, voilà ce que ça donne. Ok, maintenant que c'est retourné, vous avez vu, il faut qu'il y ait à peu près du tissu intérieur à peu près la même chose de chaque côté. Au niveau du pli, donc c'est à peu près la même taille. Et maintenant on passe un coup de fer à repasser pour que ça reste. Donc des deux côtés, ici on a nos épingles qui sont positionnées. Ensuite, pour la petite boucle à suspendre, pour la anse, on va dire, on pose endroit sur endroit et on va coudre cette partie, ce côté et ce côté. Et ensuite, on va pouvoir retourner le tout. Alors avant que l'on retourne, on va plier ici et passer un coup de fer. Ensuite on utilise une épingle à nourrice et on va la passer au niveau d'un côté du tissu, bon pas les deux sinon on ne pourra pas retourner. Voilà, on ferme et ensuite on va la plonger dans l'espace qui nous reste, donc dans le trou, et on retrousse. Alors mon épingle s'est ouverte, faire attention, il faut faire doucement et voir sortir le tissu de l'autre côté.
Ok. Ok, ça a fonctionné. Maintenant qu'on a tout ça, on plie en deux et on va coudre la fin avec un point zigzag. Ensuite, on va plier comme ceci vers le milieu. On peut marquer le milieu. Pareil de l'autre côté. On positionne tout sur le milieu. Faites attention aussi qu'on ait vraiment que le tissu que l'on est censé avoir extérieur est à l'extérieur. Après, bon, on fixe tout ça et on prend donc notre petite anse. Au milieu, avec la pointe vers le bas, et la partie à cacher vers le haut. Et comme ça, quand on coud, tout est cousu. Donc là, on va coudre avec un point droit, et puis après, on peut passer aussi avec du zigzag. Faire très attention aux épingles. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait attention au milieu. Maintenant, il faut tourner notre petit sac. Attention au niveau des coins. Et c'est terminé. Notre petit sac pour mouchoir, on peut essayer. Je mets quelques mouchoirs dedans et tout passe. Et puis c'est joli, c'est décoré et c'est plus le petit paquet plastique. Et ça, on peut bien sûr l'accrocher là où vous voulez, au niveau du sac à dos, du sac à main. Plein de possibilités, les clés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Dites-moi comment vous allez l'utiliser, comment où vous allez la placer, ce petit sac pour mouchoir. Et donc voilà, j'espère. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et diriger soi-même. Salut! Salut!